Salut, nouvel épisode, on est à l'épisode 2, donc on est toujours au même point. Si vous avez regardé le premier épisode, même si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et donc ben on venait d'avoir notre premier diamant. Voilà. Donc on va se faire une. Oh, deux diamants. On va se faire une pioche en fer. Juste faire gaffe autour. Hein? Juste faire gaffe autour, ouais. Ouais. Hop, ouais, ça coûte rien de casser les blocs. En général, en plus, il y en a un petit peu autour, mais bon, s'il y a de la lave dessous. Je pense qu'il va en avoir en dessous. Alors, attends, on va casser autour. Casser là. Tu fais attention à toi. Alors là, normalement, j'ai déjà de quoi les récupérer. Fais gaffe à toi. Ouais, c'est bon. Un. Oh. Deux. Que deux. Ah, regarde un peu si on n'a pas, si on n'a pas autour. En général, il y a toujours un petit peu autour. Hein. Oh. Bon, c'est pas grave, tu feras gaffe maintenant. Bon, j'ai déjà perdu 4 points de vie. Bon, c'est un coup d'équipier, on va dire que ça compte pas. Bon, tu fais attention maintenant, je te laisse creuser tout seul. Tu regardes si autour il y en a pas. Tu fais bien sûr très attention à la lave. Et puis, on va, dès qu'on trouve de l'or, on sera une pomme d'or. Et puis, ben, ça sera. Je pense que tu seras d'accord pour que je la mérite, hein, la pomme d'or. Ouais. Tu me dois bien ça. Tiens, encore du fer. Est-ce qu'on arrive à péter de la vie? Hop, du fer, on va récolter le fer. Et plus le manche qui est content d'avoir tenu le premier épisode. Si vous avez vu la saison 1, elle est morte dès le premier épisode. Pense au quoi? Elle est tombée dans un trou au moment où il y avait un creeper. Elle a pas eu de chance et bon, ben. Ah, ils sont pas sympas les creepers en général. Hein. Surtout avec les aventuriers comme nous. Hein. Ils aiment pas les touristes. Voilà. Oh putain, squelette, merde! Putain, je viens encore de perdre de la vie. Ça commence à me faire chier. Oh là, il est mal parti cet épisode, cette série. Alors attends, non, fais très attention. On va bloquer, on va essayer de trouver d'une manière. Laisse-moi, je vais m'en occuper. Okay. J'ai une vengeance personnelle envers ce squelette. Fais gaffe. Ouais, t'inquiète pas. Je sais comment les niquer, les squelettes. Une vieille méthode qu'un maître chinois m'a appris il y a longtemps. Un maître Shaolin. Hop. Il pétait dans les pieds. Merde, s'il veut pas se ramener, c'est pas. Alors, il est où? Je sais pas comment il a fait pour me shooter, mais ça m'a pas plu. Il est là-bas. Oh putain, il est là-bas. Oh oh oh! Fais gaffe! Ouais, t'inquiète pas. Ah, je suis pas content là. Bon, j'ai déjà perdu. Ouh! Putain, mais j'avance pas assez vite. Hein. J'ai déjà perdu beaucoup de vie. Hein. Ça va pas être facile. Il va falloir qu'on trouve pas mal d'or et pour l'instant, de l'or on en a pas trouvé. Et je voudrais pas être le premier mort quand même. Hein. Je voudrais plutôt être le dernier. Voir pas du tout. Oui, pas du tout mort. C'est ce que je voulais dire en disant le dernier mort, c'était pas mourir du tout. Bon bah ça commence fort là. Hein. J'ai chier sur. Voilà, il devrait plus nous faire chier. On va se méfier des araignées aussi. Oh. Autant ça fait plaisir de tomber directement sur du diamant, autant ça fait pas plaisir de perdre autant de vie. Il est où le salaud? Bien, et voilà, je vais régler son compte. Avant de vérifier qu'on n'a pas d'autres. Est-ce qu'on a des torches? On n'a pas de torches, je dois pas me débrouiller à m'en faire directement. Voilà. C'est bon, je me suis fait des torches, t'inquiète pas. J'ai retrouvé du fer. Ouais, moi aussi j'en ai un petit peu, je vais te rejoindre pour le faire cuire. Je vais torcher un peu mieux ça pour pas être sûr que ça spawn pas. C'est stressant. Voilà, on peut casser, maintenant c'est safe. Ah, j'ai de l'or! Yeah, c'est bon ça! On a deux pommes. Alors hop, je vais mettre le fer à cuire. Oh merde, la viande, elle a pas fini de cuire. Bon bah, deux ouais. 3, 4. Si t'as un petit peu de charbon, tu pourras le mettre. Je t'ai mis un peu de... Ah, ouais. Tu peux une hache en fer pour l'or. C'est ouais. Pas une hache, c'est une pioche. Ouais. Oh là, c'est pas grave, oui je l'ai, je viens le récupérer. Je t'en prie, tu vas là-bas. Hop, pour l'XP, tout ça. On va pas, vous inquiétez pas, on va pas s'amuser à faire des systèmes. Oh oui, 4 d'or, une demi-pomme. Bon là on voit quand même comment dire l'impact des Patrick. Sur n'importe quel genre Minecraft, hein, les mecs qui font des blagues des Patrick. Les Patrick sont une communauté Minecraft très. C'est la plus grosse communauté, je pense, de France des Minecraft. Qui
qui jouent à Minecraft. C'est des mecs très connus qui sont très bons. Ouais. J'ai plus de pioche. Alors j'avance un peu, bah tu t'en fais. Et il y a un zombie. Je prie pour pas qu'il y ait de bug. Ouais, c'est bon, nickel. Bon, y a rien dans ce couloir ou quoi? Ah bah non, y a rien dans ce couloir. Tout ça pour ça. Ah par contre, y a un autre couloir, pas loin. Vas-y, repousse un petit cri. Par là. Je dirais. Nope. Dans le plafond, peut-être? J'arrive pas à savoir d'où vient le bruit. Dessous? Moi j'entends à gauche. Moi j'entends là. Ah, pas facile. Non, il est là. Je vais me faire aussi une pioche en fer. Si tu veux. Là on a la 13. C'est fou ça, je sais pas où je les entends les monstres. Ils sont pas loin, hein, vu. Ils sont pas loin, mais je sais pas où. C'est pas facile, hein. Ah zut, c'est pas grave, j'ai toujours ma pioche en fer. C'est pas facile de savoir où ils sont les monstres. Ouais. Quoi? Ouh, et le premier mort, Mika 3, GG. Ah, oui, tu disais. Bah je dis. Ah, c'est pas grave. La terre. Et oui, c'est pas plus mange la première mort pour une fois. Ouais, bah c'est dommage pour lui, hein. Bon, il a au moins survécu un épisode, hein, c'est honorable. Déjà j'avais droit. Quoi? Et on est déjà bas, on a la couche 6. Ouais, on devait se retrouver à la couche 10 normalement. Bon, c'est pas possible là qu'il y ait pas de... Que je les trouve pas les monstres. T'as combien de niveaux là, c'est savoir? 4. Bah je vais te laisser la personne. Ouais. C'est fou, attends, y'a pas un trou là? Ah non, ça doit être là où j'ai creusé tout à l'heure. Bah là ça m'énerve de pas savoir où sont les monstres. J'ai l'impression de les entendre à gauche, mais tout le temps à gauche. Bon bah tant pis, on va aller creuser ailleurs. On va pas passer l'épisode à chercher des monstres, on va récolter le fer. Voilà. Du lapis-lazuli, je sais pas si toi tu en trouveras l'utilité, mais moi je n'en ai pas l'utilité. Lapis-lazuli, c'est inutile. Ah, pas bon, soit de l'XP. Hop, un peu de charbon. Bon, on retrouve pas d'or là. J'aimerais bien retrouver un peu ma vie. Je suis pas bien sans ma vie. Non, tu me l'as tellement dit, fais gaffe que. Bah, chaque point de vie est important. Et là, j'en ai perdu beaucoup. Je suis à 12. Oh, ouais. Et... Oh, bah, qui a Shark, c'est déjà 8. Et toi, bah, toi, on sait pas combien t'en es, mais Kuro, il y a 10. Je suis pas le pire. Ah, c'est pratique ça. Ouais, toi on sait pas combien t'es. T'as un nom tellement long. Je te laisse. Allez, ouais. Après, on va pas se faire chier à toute la casser non plus, hein, si on a beaucoup. On va plutôt aller chercher du diamant. Donc y'a plus rien. Oh, attends, y'a de la lave dans les environs. J'espère que je vais la trouver un petit peu mieux que ce que je cherchais. Non, y'a plus rien dans le couloir. Tu peux continuer, y a plus rien. Enfin, non, continue pas, ça serait une perte de temps. Oh, elle est où la lave là? J'ai un souci de stéréo ou quoi? Avant que ce soit la lave où on était tout à l'heure? Non. Ah. Ah oui, c'est la lave où on était tout à l'heure. Ça me donne envie de continuer le long de cette lave, j'en faisais attention. Je tente le diable. Fais gaffe. On va même me tout seul. Oh, tu verras, ils sont très forts les autres avec moi. Tu sais, tu t'en sortiras pas tout seul, t'inquiète. Je te laisse de l'espoir. Bon là, est-ce que ça donne sur quelque chose l'arrière de cette grotte? Non, ça a l'air de rien donner. Bon, tant pis, des fois ça donne vers quelque chose. Bon,
Ah! Non. Bon, bon, bon. Eh bien, on va abandonner cette partie-là et puis on va repartir sur du monnayage optimisé, le temps de retrouver notre caverne. Alors, on va redescendre à la couche 10. Je vais te rejoindre à la base et puis on va repartir. Hop, couche 10. Ah, ben, tu es déjà la couche 10. Ben, je vais creuser un petit terrain, un truc parallèle à toi. Attends, je vais mettre mes affaires à fond quand même. Il est sur la dim map. Voilà. comment dire? C'est une map, c'est une page web où on voit la map d'en haut avec les joueurs là où ils sont. Hop, du fer. Ah oui, Shark et Roy qui sont à 8 et 11 points de vie. Jum team. Oh. Au moins ils sont pas morts hein, eux. Il y a Bastien qui est encore à 20, il y a la team bleue, elle est encore à 20, Quanti était à 20. Ouais, ouais. Quanti qui est... Non, les autres, ils sont bien bas. Qui a été mon coéquipier de victoire, donc... on sait déjà que lui, il y a du talent derrière. Sasu aussi, il a prouvé qu'il a réussi à aller jusqu'en finale tout seul, donc il a prouvé aussi son talent. Ah, j'ai encore du fait. Et les autres sont pas mauvais quand même, en général. Ah, tiens. Ah, t'as plus de pioche. Si. J'ai entendu jusqu'à chez moi. Et on trouve rien là, hein. Rien du t'as tout. T'as traversé la France. Rien du tout. Allez. Bon ben. Oh ben, elle est morte à son tour. Ah bah on a eu de la chance au départ de tomber sur deux diamants, oh, et puis maintenant on a plus. Ah, j'ai eu peur, j'ai vu ton pseudo, ouais. Je me suis dit perdre à quelqu'un. Ça arrive des fois, c'est le stress qui commence à monter. Hop, 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 donc on a 5 lingots de fer. C'est bien. Faire de la redstone. Ouais, récolte-la si tu veux. Moi je veux pas plus embêter ma. Je veux plus casser mes pioches à faire ça. Surveille toujours ton niveau de bouffe parce que je viens de me rendre compte que le mien était pas très haut. Non, moi, ça fait un moment que je suis à. Je suis au max. Tant mieux. J'ai 10 de viande cuite. Bon, on va reprendre le minage, mais bon, si ça donne rien par là, on va partir vers rien. On est dans quoi? On est dans un biome plein? Je crois que c'est pas mal plein. Ah, un petit peu de fer, enfin. Moi, j'en préférais trouver du diamant, hein. Un petit stuff full diamant, ça ferait plaisir. Je sais pas ce que nous préparent les autres, là. On va voir. À la première saison, on s'était tous limités à faire du full fer avec épée en diamant. Là, on va voir si quelqu'un va oser faire du full diamant. On verra bien. Il va falloir que j'ai une page web, je regarde où t'es les autres, tu peux te dire. J'ai mis la redstone sous forme de bloc. De toute façon, la redstone, on va la balancer à la poubelle, hein, t'inquiète pas, on n'en fera rien. Ouais, personne ne va nous attaquer en sous 3 heures. Non, le seul truc pour lequel ça peut servir, ça sera quand on devra se faire la boussole, mais on n'a pas tué encore assez de monstres pour se faire la boussole. Et je sais même plus comment se fait la boussole, merde. Pourquoi j'ai fait un screenshot? Ah, bah tant mieux. De toute façon, la boussole saison 1 a bugué, alors là on verra si elle marche ou pas. Ah merde, j'ai cassé ma propre. Bon bah moi je vais renoncer dans cette direction et puis je vais partir vers ailleurs, hein, parce que là y a rien par ici. Alors vous allez dire, oui, mais ça sert à rien de changer d'endroit. Mais je serai moins loin de la base quand même. Hop, par contre ça je vais reprendre, ça sert à rien de dépenser dans des trucs qu'on ne servira pas, autant que ça va spawner des monstres au cas où des adversaires tombent sur cette caverne et que c'est... Oh, je l'ai loupé lui. Oh, petit cachotier là, tu t'es caché dedans là. Hein, t'as trouvé quoi? Oh, du fer. Ah, t'inquiète pas, je te le dirai quand j'aurai trouvé du diamant ou de la vie. Hein. C'est surtout du l'or qu'il nous faudrait. Ah, oui. Ah, de l'or et du diamant. Ah, hop, ça, je vais la fermer. Pas ma gueule, mais la galerie. Et je vais partir ailleurs. C'est gentil. C'est gentil. Mais je me dis non, mais pourquoi c'est difficile que ça? Ah bah c'est le principe hein, de quand on enregistre, il faut tout le temps parler, il faut jamais laisser de blanc. Je suis pas forcément très bon, mais je fais ce que je peux. Quitte à me répéter, quitte à dire de la merde.
Tu confirmes que je dis de la merde? Tout à fait. On va pas dire que c'est forcément intéressant, mais on va pas dire non plus que c'est la merde. Ouais, bon, hein, bon. Bah si, tu peux le dire, hein. Mon compatriote est d'accord avec moi. Et du diamant. putain, oui, du diamant. Ah, ça fait plaisir. Faut que je me refasse une pioche en fer. Et déjà 3 blocs de diamant. 4 blocs de diamant. On va pouvoir se lancer à faire table d'enchant et épée en diamant. Il ne manquera plus qu'un seul bloc de diamant pour pouvoir se faire une épée chacun. Bon, ben je vais me faire une pioche en fer et puis voilà. Donc on aura encore quelques blocs de diamant. Ah, ça fait plaisir ça. Deuxième épisode, encore plus de diamants. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de fer? Il doit être dans le four le fer. Ouais j'en ai un petit peu dans mon inventaire. Non, c'est... Ouais, mais je viens de tout prendre parce que j'avais besoin pour... C'est pas grave. On manque un peu de fer quand même. J'avoue qu'on en a pas énormément de fer. Avec ce qui est en train de cuire, on croit que... Ah bon? De quoi se faire... De panoplie entière? Enfin, panoplie, je sais pas comment... Ah là, j'en ai 10 sur moi. Et donc, on est à 6... diamants. Je vais faire la pioche en diamant et dès qu'on aura l'occasion de tomber sur de l'obsidienne, eh bien on... on pourra se faire notre table d'enchant et commencer à s'enchanter. Ça va être bon. Enchanté. Enchanté. Bonjour, Jean-Pierre, enchanté. Hop, je mets le diamant et la pioche dans le coffre. Comme ça, si je venais à mourir, hop, toi, tu pourrais les récupérer. Et puis, on va continuer à creuser dans cette direction parce qu'à priori, elle est payante. On va quand même regarder dans le coin s'il reste pas un petit peu de diamant. Bah heureusement que vous n'êtes pas parti avant de... Moi j'ai rien, à part du fer, un peu de redstone, mais... Bon Pierre, tu vas me dire ça change rien, mais tu peux changer de direction, hein, c'est symbolique. Et tu, je continue. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de diamant dans les environs. Tant pis. On va continuer le chemin. Hein. Ça serait sympa que, ouais, c'est sympa qu'au deuxième épisode déjà on ait pas mal de diamants et de quoi se stuffer de diamants. Bon, on n'a pas encore de quoi se stuffer faire. Hein. La première saison on l'a bouclé en 6 épisodes. Bon là on est déjà à la fin du deuxième épisode et on a déjà du diamant. On va pas tarder à pouvoir partir à la chasse. Hein. Sans village de PNJ, sans temple du désert. Il y avait eu quoi exactement dans les temples et dans le village? Des trucs genre de l'or, des trucs genre de diamants, je crois, du fer. Des choses qui aident bien quand même. Allez, tranquille. Ouais, ça aide. Un village, bah, dans le village, quand tu vas dans les champs, c'est bon, t'as de la bouffe illimitée. Et puis, je viens de retrouver du diamant. Oh, c'est beau. Ah. Et puis là, un bon gros, là. Là, il y en a 5. 6. 7. Oh my god. Donc, il parlait de stuff diamant. Moi, pour du charbon. C'est pas grave, il faut tout pour faire un monde. On veut du fer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah par contre j'ai trouvé l'or quand même. Ça, ouais c'est bien, mais faut en trouver un peu plus. Donc c'est bon, je t'ai fait une épée en diamant qui est dans le coffre. Félicitations. Bah, et donc, alors attends, dans le fer qui a cuit, donc là on en a 5. Là on en a 8, là on en a 10, on a 25 de fer. Donc je nous fais un plastron chacun. Quoi? J'en ai 4 sur moi. Ok. Hop, on a un plastron chacun. Et on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un saut. Si on chope de l'eau, tu me dis si tu vois de l'eau. Voilà. Donc je mets le reste du fer dans le coffre. Ah, mais 16. Oh, mais cool, on peut se faire un pantalon en plus. Non, un casque, tiens. Ouf, elle est longue. De quoi, ma. Ah, tu as pensé, hein. De quoi? Petit cochon. Alors attends, tiens ton matériel. Hop, ton plastron et ton casque, je les ai jetés derrière toi de là où tu viens. Et ton épée en. Et ton épée en diamant, elle est dans le coffre. Dans mon inventaire. Eh, c'est très bien. Bah, les cartes. Bon, là, s'il n'y a pas d'autres diamants encore, il faut que je me méfie. J'entends qu'il y a de la lave pas loin. Et la lave, ça pardonne pas. Hein. Oh putain! Alors, on est où? Est-ce qu'on est dans la limite de la map?
Et non, on n'est pas dans les limites de la map, donc à la fin de l'épisode, faut qu'on soit sorti. Donc, fin de l'épisode 2, salut à tous.